les deux premières semaines sans incident. Sept malades ont été opérés. Tous les malades sont chez eux, bon, sauf celui qui a été opéré pour hier. Il y a même un malade qui était dans la salle, qui a suivi les débats. Donc on est heureux de cette réussite. C'est un travail de tout le monde, des chirurgiens, de nos procteurs, les formateurs, de nos équipes paramédicales, administratives, financières, la logistique, la qualité, tout ça a bien fonctionné. Sur les 7 malades qu'on a fait, on a enregistré tous nos... Il n'y avait pas que de la perfection, aussi des failles qu'on a essayé de, qu'on va essayer d'améliorer. Et donc c'est un début dans l'histoire de la chirurgie au Maroc qu'on espère être pérenne, Inch'Allah. Et donc aujourd'hui, les chirurgiens, ils ont un moyen d'opérer avec 4 bras, avec des bras très agiles qui vont dans la profondeur du malade, avec une vision qui est améliorée, assis sur une chaise, peut-être siroter un café. Et donc tout ça, c'est pour la passion, c'est pour le patient, c'est pour améliorer la performance du chirurgien pour réséquer le maximum de maladies et avoir le moins d'effets secondaires. Il faut être réaliste, il y a des priorités dans le pays. Donc moi, en tant que président de l'ANCP, je dois défendre les maladies qui font la problématique de la santé au Maroc. Le robot, c'est vrai, c'est une chirurgie de performance. On doit regarder ça, mais avec le système assurantiel mis en place dans l'assurance maladie, je ne pense pas qu'on aura les moyens de généraliser cette chirurgie. Néanmoins, certains mutuelles et certains organismes d'assurance qui veulent améliorer la performance du traitement de leurs patients peuvent s'y intéresser. Pour votre information, la chirurgie robotisée en France n'est pas remboursée. Donc ne faisons pas de la chirurgie robotisée une priorité nationale de santé, mais faisons en sorte de minimiser le coût pour la rendre accessible, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est à 50% plus cher d'une chirurgie classique celluloscopique et à 50% du prix d'une chirurgie robotisée ailleurs.